Salut à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir le torse, les épaules et les bras invisibles, ou alors juste les bras invisibles, ou alors les épaules et les bras invisibles. Donc voilà, ce sera assez cool, vous aurez le choix, et en plus vous pourrez moduler votre tenue, c'est-à-dire que vous pourrez ajouter une écharpe, ajouter une chaîne, retirer la montre ou en ajouter une, mettre un casque, un masque... changez votre short, ajoutez un pantalon ou alors autre chose, hein, comme vous voudrez. Et vous pourrez aussi changer vos chaussures, donc ce qui est vraiment cool puisque c'est très très modulable, vous aurez le choix. Votre tenue sera vraiment rare. Donc voilà, vous devrez commencer tout d'abord par vous rendre dans une boutique de vêtements. Vous allez ensuite créer une organisation et vous devrez en être le chef. Une fois que ce sera fait, vous allez vous adresser à la vendeuse pour voir les tenues. Vous descendez dans les tenues de braquage combinaison. Là, vous prenez la tenue rouge. Vous la sauvegardez tout simplement dans votre inventaire. Une fois ceci fait, vous allez vous rendre dans les tenues de la Saint-Valentin sexy, donc c'est les dernières. Vous allez prendre l'une des 6 tenues disponibles, donc selon la tenue, vous aurez soit... avec cette tenue, vous aurez le torse, les épaules et les bras invisibles. Avec celle-ci, vous aurez les bras invisibles. Avec celle-ci, ce sera pareil qu'avec la tenue léopard. Avec celle-ci, ce sera... juste les épaules et les bras invisibles. Avec celle-ci, ce sera comme la tenue léopard. Et avec la tenue macho, ce sera comme avec la tenue détendue, puisque c'est en fonction des vêtements qu'il y a déjà dessus. Voilà, donc moi j'ai pris la tenue léopard, comme ça c'est la meilleure, je trouve. Vous aurez vraiment beaucoup de trucs invisibles. Et voilà, donc alors une fois que vous avez sélectionné votre tenue, vous faites retour, vous quittez les tenues. Vous ouvrez votre menu inventaire, vous allez dans les accessoires. Vous allez tout simplement choisir la tenue glitch, donc la tenue rouge que vous avez sauvegardée juste avant dans votre inventaire. Vous descendez tout en bas dans les gants et vous prenez les premiers gants à gauche. Donc vous vous placez sur les gants et vous appuyez une fois sur la gauche, sur la flèche de gauche, et vous aurez des gants qui vont s'afficher. À ce moment-là, vous ne touchez à rien, vous faites deux fois retour. Vous allez dans Sécuroserve Gros Bonnet, Gérer l'organisation, Style, et vous allez faire comme avec les gants, sauf deux fois vers la gauche avec les flèches directionnelles, donc une fois, deux fois. Vous atterrirez sur la tenue Magna Maritime. Et une fois que c'est fait, vous faites deux fois à droite pour retourner sur la tenue aucun, donc la tenue de la Saint-Valentin que vous avez prise juste avant. Et là, vous verrez que ce ne sera pas la tenue rouge que vous avez prise juste avant. Ce sera celle-ci, sans les gants. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez dans l'inventaire, dans les accessoires. Et là, le glitch va se terminer. Vous voyez qu'il y a affiché gants chirurgicaux blancs. À ce moment-là, vous allez une fois avec la flèche vers la gauche. Et là, vous verrez que vous aurez le torse, les bras et les épaules invisibles. Donc voilà, vous étiez sur les gants avant. Donc, en fait, je vous explique, pour les gants, là, vous faites une fois la flèche vers la gauche et vous aurez tout qui sera invisible. Maintenant, si les gants chirurgicaux bleus ne vous plaisent pas, ou alors les autres gants qui se sont affichés, vous faites encore une fois vers la gauche. Par contre, n'allez pas vers la droite, sinon votre torse et vos bras vont réapparaître. Alors voilà, donc... il faut être sûr de soi et puis sélectionner les bons gants, ou alors vous laisser comme c'est et tout sera bon. Donc là, voilà, je vais vous montrer qu'on peut bien moduler la tenue. Donc là, vous êtes invisible. On va changer le pantalon. Je vais mettre un short. Voilà, on va prendre celui-ci. Ensuite, on va ajouter des chaussures. Par contre, pour les hauts, vous ne pouvez rien faire. Voilà, on va se mettre des petites tongs. Hop là, les tongs jaunes citron. J'ai toujours les bras invisibles, hein, comme vous voyez, et puis le torse aussi. Maintenant, on va ajouter une écharpe. Voilà, on va prendre la blanche, c'est très bien. Là, on va changer la montre, ou on va l'enlever, tiens, ce sera mieux. Pas de montre. Par contre, là, les gants, vous ne pouvez pas les changer, hein, fallait les changer pendant le glitch. Et donc, voilà, votre tenue est terminée, donc... C'est un glitch vraiment très très simple, hein. Franchement profitez-en car il est vraiment cool. Et donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo et ce glitch vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ça me ferait super plaisir. Laissez aussi un petit commentaire positif et un petit partage, ça prend vraiment peu de temps et ça fait aussi super plaisir. Je vous invite très rapidement à venir me suivre sur Twitter, à rejoindre mon crew sur GTA V et pourquoi pas m'ajouter sur Skype si vous avez des questions ou autre chose. Tout vous attend dans la description de la vidéo. Moi je vais donc vous dire à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux glitchs. Allez, ciao tout le monde.